Alors c'est ainsi qu'on a montré Théagène le champion. Préservé pour l'éternité, assis sur ses fesses. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose là-bas. Ne m'oblige pas de frapper. Tu ne frapperas plus. Idiot, je vais revenir. Vous ne pourrez pas me chasser éternellement. Je réussirai à entrer. Tu as l'air forte. Tu peux m'aider? Ça dépend de ce que tu veux. Des informations. Solon, mon frère, a disparu depuis des décades. Personne ne m'écoute. Ils disent qu'il est parti. Mais il ne m'aurait pas laissé seule. Non, il sait que je déteste rester seule. La dernière fois qu'on l'a vu, il s'entraînait dans cette école. Je suis sûre qu'il y a un lien avec sa disparition. Dis, tu m'aides à découvrir ce qui lui est arrivé. Je vais voir ce que je peux découvrir. Tu es plus gentille que tu en as l'air. Merci. Ne me remercie pas encore. Je fais payer cher mes services. Quoi ? Tu demanderais de l'argent à une enfant ? On devrait pouvoir s'entendre. Je ne suis pas riche, mais je te donnerai tout ce que j'ai. Ça ira. Je pense que l'entraîneur pourrait savoir des choses sur la disparition de mon frère. Mais méfie-toi, il paraît qu'il peut tuer une chimère avec ses poings. Ou alors, il ressemble à une chimère avec des poings. En tout cas, il vaut mieux éviter de chercher la bagarre. Je ne la cherche pas, c'est elle qui me trouve. Autant de jeunes athlètes s'entraînent-ils dans cette école? Tu n'as jamais entendu parler de cet endroit? Cette école a fait la renommée de Thasos. Elle a été fondée par Théagène, le célèbre champion olympique. Beaucoup d'autres athlètes, comme mon frère, s'entraînent ici dans l'espoir de devenir champion. Ton frère a sûrement disparu depuis des lustres? Des décades. De lui-même, il ne m'aurait jamais laissé seule si longtemps. Il se vantait à propos de ses futures aventures et victoires olympiques. Il disait toujours qu'il ferait de moi la sœur la plus fière de tout le monde grec. Mais ça ne risque pas d'arriver, puisqu'il n'est plus là! Je vais découvrir ce qui est arrivé à ton frère. Dépêche-toi. C'est trop calme par ici sans lui.
Mikros avait raison. Il se trame quelque chose ici. J'en aurai le cœur net. Longue nuit ? Bien trop longue. Il faut que je me remue et que je m'entraîne pour battre Neleus et enchaîner les victoires pour devenir... Oh. Ah, bon sang. Je finis par me demander si je suis fait pour ça. J'en conclus que tu es Aietes. C'est Mikros qui m'envoie. Neleus. Neleus ? Quoi encore ? Il a battu un autre record ? Oui, en effet. Malédiction. C'est lequel, cette fois ? Je parie que c'est le lancer du disque. Non, attends. Peut-être que... Le vomissement de projectiles. Hein ? Par Zeus ! Il est même meilleur que moi en vomissement ! Maudite soit ta perfection, Neleus ! Alors Mikros t'envoie pour que je perde confiance ? Neleus est malade. Mikros m'envoie. Parce que tu es le dernier à l'avoir vu en bonne santé. Il allait bien quand nous sommes allés chez Carpos pour notre habituelle... portion d'hédonisme. Mais nous ne sommes pas partis ensemble, et je ne l'ai pas revu depuis. Il a dû se passer quelque chose à la fête, alors. Va voir Carpos chez lui, sur la colline. Il sait probablement ce qui est arrivé à Neleus. Mais c'est un homme assez réservé. Il va devoir gagner son attention. Je crois que tu pourrais l'amener à réagir en répandant un peu de son précieux vin. Qui me rend si saoul. Merci, Aietes. Je vais m'en occuper. Bon, allez, au travail. Sinon, je ne battrai jamais Neleus et les autres. Tu sais, être champion olympique, c'est moins impressionnant que parcourir le monde grec. Viens travailler à bord de mon navire. Et tu verras du pays. J'ai toujours besoin de bras musclés, de bras de rameur. J'ai toujours rêvé de voyager. Et tu sais quoi ? J'en ai assez de m'entraîner jour après jour. Alors, je vais venir, Mystios. Je veux dire, capitaine. Doit être la maison de Carpos. L'odeur de vinasse en dit long.
Regardez qui est là. Mist. Regardez qui est là. Nikos, tu devrais être chez toi à prendre soin de Neleus. Je devrais faire des tas de choses. Mais pour l'instant... j'ai envie de m'amuser un peu. Tu aurais besoin de t'amuser un peu, on dirait. Et je suis un expert. Alors, qu'en dis-tu? Toi et moi. Passons un bon moment. Quoi? Rien que nous deux? Ah! Voilà qui est mieux. Alors, qu'est-ce qui te fait envie? Lui? Ou elle? J'ai beaucoup d'appétit. Je vais prendre les deux. Oh, tu m'émoustilles, Mystios. Oh, tais-toi, surtout. Je peux continuer? Je doute que tu puisses tenir debout en ce moment. Je veux dire, je pourrais m'allonger là. Plus tard, peut-être. Au revoir, Nikos. Voilà ce que je cherche. Tu as tué les... Oh non, non, non! Le général va me torturer! Tu fais partie du culte, n'est-ce pas? Qu'as-tu fait, Neleus? Non, 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 nous sommes juste... partenaires. Je travaille pour le général. Dis-moi en quoi consiste ce partenariat, sinon je t'arrache les dents une à une. Malaka. D'accord. J'aide le... Enfin, je suis plutôt contraint... par le culte de Cosmos à lui livrer des athlètes ivres pour son armée. Les bons éléments rapportent davantage. Les bons comme Neleus. Et maintenant, il est très malade. Ils font quelque chose aux élèves. Ça les rend différents. À ton avis, pourquoi les gardes d'élite sont aussi forts? Cette force n'est pas normale. Pas naturelle. Je crache sur leur force. Elle n'est rien, comparée à la mienne. J'ai eu tort, Mystios. Je n'ai rien pu faire contre eux jusqu'ici, mais... ensemble, peut-être que nous pourrons faire quelque chose. Les adeptes emmenaient toujours les élèves, une fois ivres, depuis mes quais jusqu'à une grotte sur la côte au sud. Tu peux peut-être te racheter. Après tout, c'est vrai, les gens de Thasos sont mes voisins, Mystios. Le culte m'a rendu riche, certes, mais il m'a desséché le cœur. Sauf ses élèves. Je t'en prie, je ne veux plus faire ça. Je vais sauver les élèves, mais pour leur bien, pas le tien. S'il arrive quelque chose à Neleus, tu es un homme mort. Je suis sûr qu'il ira bien. Rejoins les élèves. Ils sont dans la grotte, au sud. Longe la côte et tu la verras. Bonne chance!
Ça a l'air d'être là. Que ces maudits hédonistes n'ont pas mis ma maison à sac. Pistios, par ici! Le phénix l'a rendu fou! Pistios, Zeus soit loué, il allait me tuer! C'est ta faute. Ces prisonniers, ils ont déjà pris le tonique. C'est bien possible. Le médecin a dû venir le leur administrer. Un seul a mal réagi. L'autre a l'air de pouvoir encore s'en sortir. Alors rien n'est perdu pour Néléus. Tout ça m'a l'air d'être un repère très bien défendu. Le culte est mieux équipé et organisé que je ne le pensais. Dès que j'ai mis le pied sur Thasos, c'en était fini du culte de Cosmos. Les membres du culte doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Il faut passer aux représailles. J'ai l'impression que tu as une idée. Nous devons attaquer sa vieille place forte, Mystios. Si tu mènes la charge,
Nous tuerons le général des gardes du culte. Nous lui infligerons une défaite écrasante qui résonnera dans tout le monde grec. Tu veux surtout que je te débarrasse de ce général que tu as trahi? Un heureux hasard, c'est tout. Dis-moi plus sur ce général. Ce Malaka m'a obligé à prendre part à tout ça. Il commande les gardes d'élite du culte. Et on raconte qu'il a décapité 8 hommes d'un seul coup de son arme longue. Est-elle exactement cette ancienne place forte? C'est une imposante construction, édifiée sur Lemnos. Paraît que le bateau est le meilleur moyen de s'y rendre. Parler d'un guérisseur. Oui, le médecin. Il soigne les blessés et les malades. Mais, comme moi, il est menacé par le culte qui l'oblige à administrer son tonique. Si tu as l'intention de lui rendre visite, tu devrais le trouver à la carrière d'Aliki. Au moins, je sais maintenant que Neleus a plus qu'un simple rhume. Il faut que j'en avertisse Mikos. Tout ça est ta faute. Alors fais en sorte que ces élèves rentrent sans encombre. Entendu. Comme tu dis. Je dois me montrer prudent. Je crois que je ne vais pas trouver que de l'argent ici. Trouvez. Nous.
Mais enfin libre. Je savais qu'il ne me garderait pas longtemps. Merci quand même. Oui, oui. Merci beaucoup de m'avoir sauvé. Mais je dois rentrer, mes petits m'attendent. Ce sont eux qui t'envoient. Oui, tes petits m'ont envoyé. Béni soit-il. Comment vont-ils? Je savais qu'ils ne m'oublieraient pas. Tu veux parler des ouvriers de la carrière? Oui, oui, mes petits. Je m'occupe d'eux, je leur donne mon remède. En échange, ils m'aident pour mes recherches. Je suis très attaché à mes petits. Tu as l'air forte. Oui, oui. Je n'ai jamais assez de petits. Tu pourrais rejoindre ma famille. Ce serait très utile pour mes recherches. Oui, oui. Je ne serai pas un sujet d'expérience. Ah, même après ta mort? Non. C'est une grande perte pour les recherches. Le remède que je prépare est délicieux, tu sais. Parle-moi de ce remède. Ah, le remède. Je le donne à mes petits quand mon tonique spéciale a des effets indésirables. Il est parfois trop fort. Indésirable, comme la perte de mémoire? Ah oui, tu le sais déjà. Mes petits, c'est ma faute, oui, oui. Mais tu as continué à leur donner du tonique. Je n'ai pas eu le choix. On m'a obligé à le faire. Mais je vais me rattraper. Je me rattrape toujours. Oui, oui. Les gens qui t'ont enlevé, qui sont-ils? C'était cet homme au bandeau sur l'œil. Il prenait ses ordres auprès d'un chauve. Il voulait mon tonique et m'ont obligé à en repréparer. Malaga! Je n'ai pas eu le choix. Il menaçait de tuer mes petits. Ensuite, ils t'ont enfermé. Eh bien, ils ont refusé de me laisser retrouver mes petits. Alors, j'en ai empoisonné quelques-uns. Oui, oui. Personne ne peut me tenir éloigné de mes petits. Non, non. Tes petits doivent avoir une histoire? Je ne sais pas et je n'ai pas besoin de le savoir. Je sais seulement qu'on m'a obligé à leur donner de mon tonique dans une grotte étrange qui ressemble à celle-ci. Si ça rate, je garde mes petits et je m'occupe d'eux. Ce tonique doit être très spécial. Oui, oui. Il rend mes petits très forts. Ah, mais comme je l'ai dit, les effets indésirables peuvent être graves. C'était peut-être un mauvais dosage. Mes pauvres petits. J'ai besoin du remède dont tu as parlé. Donne-le-moi. Quoi? Pourquoi faire? Rien ne m'y oblige. Je ne ferai pas ça. Non, non. J'ai besoin de ce remède pour quelqu'un que je connais. Il est victime des conséquences de ton tonique. Quoi? C'est impossible! Tu ne condamnerais pas un petit, pas vrai? Je ne peux pas abandonner mes petits. J'ai peur que ça ne prenne du temps. Oui, oui. D'abord, débarrasse-toi des malakès qui m'ont tenu éloigné de mes petits. Ils sont à la forteresse, plus loin sur la route. Je vais m'en débarrasser. Je veux que le remède soit prêt à mon retour. Oui, oui. Ça va prendre du temps de rassembler les ingrédients. Tu peux commencer par aller voir Atazos. Il paraît qu'il s'y passe des choses étranges. Oui, oui. Le remède pourrait aider Néléus. Avant tout, je dois m'occuper des ravisseurs du médecin. Mieux vaut se méfier. L'endroit est bien gardé. C'est interdit de venir.
taper maintenant. En avant! Voilà. Oh non! Vite! Faut éteindre! Le voilà. Je dois rester caché. Ah!
vais te tuer. Voilà qui est réglé. Bon. Le médecin a parlé d'événements étranges en ville. Je vais aller voir ça. Vaut éviter qu'on me voie ici. Ah.
Cet endroit sera en alerte. On pourrait rivaliser avec la Ligue de Delos avec tout cet argent. Voilà. Me voilà. Yeah.
io so i peggio. Je vais ici, j'aurai des ennuis. Finish him! Oh.